Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Et voici donc le Real Madrid contre le FC Barcelone. Très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de football. J'ai en ma compagnie Darren Tulette et son regard décalé. Salut Darren. Merci pour cet accueil Grégoire, mais trêve de mondanité, on est là pour assister, je l'espère, à un bon match de football. Si vous voulez savoir ce que match de l'année veut dire, venez faire un tour à Barcelone ou à Madrid un jour de match. La rivalité a toujours été très forte entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Les rencontres entre ces deux grandes Espagnes ont toujours été les plus attendues de l'année. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Eh bien, Cristiano Ronaldo est sur le terrain, donc je vais dire Cristiano Ronaldo, bien sûr. C'est sans doute le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Espérons qu'il fasse le spectacle encore une fois aujourd'hui. C'est vrai que je le verrai bien marqué dans ce match. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. C'est repoussé par le gardien. Mascherano. On est à la moitié de cette première période et toujours aucun but. Va-t-il en profiter? L'ouverture vers le poteau de corner. Le bon jaillissement. Dans l'espace. Et c'est intercepté. La passe en profondeur sur le côté. Un bon centre. Et le bon dégagement. Et il y avait du monde, mais ce dernier geste manque de précision. Il tente de la jouer dans l'espace. Il a le champ libre. L'accélération. Oh, Luis Suarez. Bonne interception, il y avait danger. Isco. Thiago. Pour trouver la faille dans la défense. Le voilà servi. Le gardien la relâche, il peut frapper. Oh, ça se joue à rien. Thiago, il joue court. Le Real Madrid, ils obtiennent un nouveau corner. De tir. Oui, oui, il était hors jeu. Eh oui, par un petit peu trop tôt, il est hors jeu de quelques centimètres. Mats Hummels. Sergio Ramos. Mascherano. À la barre. Qui cherche la faille? Oh, voici Neymar. Il joue dans l'espace. Il glisse le ballon en profondeur. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Coup d'envoi de la seconde période. Pas de surprise pendant la pause, le tableau d'affichage indique toujours 0-0. Jérôme Boateng. Isco. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. C'est vrai, les défenseurs le surveillent de près. Ils l'ont clairement identifié comme la menace. Mascherano. Toujours 0-0, mais il reste du temps. C'est un bon ballon. L'âme. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score pourrait être décisive. Oh, Luis Suarez. Il joue dans l'espace. Il peut frapper. Mais il rate le cadre. Quand on se retrouve tout seul face au gardien, on doit faire mieux que ça. C'est très mal joué de sa part.
Bonne intervention. Mascherano. Ils peuvent encore faire deux changements, ça laisse des possibilités. Un ballon envoyé en hauteur. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Et oui, il faut coup franc. Thiago. Oh, Cristiano Ronaldo. Raphaël Varane. Isco. Sergio Ramos, qui joue dans la profondeur. Il frappe. Hors jeu. Il a terminé son échauffement, se rapproche du terrain. Un changement va intervenir sous peu. Son entraîneur a senti qu'il n'avait peu de jeu, alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Thiago. Tant qu'on le garde dans le but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est joué long, attention. Raphaël Varane qui remporte son duel. Thiago. C'est joué long. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'arène. Mascherano. Oh, il a bien vu son coéquipier. Oh, voici Bale. Il est lancé vers le poteau de corner. Il peut tirer. Il n'a pas tremblé. Et ça va au fond des filets. Oh, mais alors quel coup de massue. Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire. Le gardien a sans doute été masqué par sa défense et après il n'a plus le temps de réagir. Ce but scellait le score. Est-ce qu'on en restera là? C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Ils assurent l'essentiel avec la plus petite des marges. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Comme on dit, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Il n'y a plus de classement qui tienne. On fait table rase du reste. Et on se...